Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Reigns. Ce jeu m'obstine. C'était pas français, m'embêtez pas. Je tourne cet épisode un peu tard, avant d'aller bosser. Alors bon, on fait un peu comme on peut. Le roi Robert. Essayez de prendre le donjon, recruter l'espion, engendrer un héritier. Allons sur ses objectifs. Alors ce petit jeu... Je trouve déjà qu'il est très prenant au niveau de l'atmosphère. Là j'ai gardé mes... D'accord, très intéressant, j'ai gardé mes atouts. Avez-vous besoin d'argent, sire? Je peux vous prêter 2000 pièces d'or à 5% d'intérêt. Non. À l'aide, la grange commune est en feu. On a besoin de la garnison. Ok. Ok, de nombreux prisonniers se sont évadés de la prison. Organisons une battue. Oui. Pour réaliser le rêve de tout alchimiste, la transformation de plomb en or, j'ai besoin de votre aide. Ouais. Le message dit, je vous offre les services d'un maître espion signé. B. Ok. Incarné, je suis l'ombre. J'aime bien l'ambiance de ce jeu, vraiment. Il faut savoir que mon compère Camille a pas réussi en fait le jeu. Y n'a pas réussi le jeu. Enfin, il a pas réussi à première vue le final du jeu. Donc, on va essayer d'y aller à ce final. Vas-y. Les de l'Est sont en guerre à nouveau et leur population passe la frontière en ce moment même. Rix vous invite à le suivre. D'accord. Il attrape. À un moment donné, ça va te saouler ou pas? Moi, j'ai toute ma soirée, on peut continuer comme ça, le chien, si tu veux. Hein. Ça 240 000 fois, si tu veux. Parfait. J'aime ce jeu. Moi aussi, d'ailleurs. Allez, c'est bon, ça suffit. S'arrête devant un magnifique champignon orange. Mangez le champignon! Ok, la clarté. La guilde des marchands vend des denrées traditionnellement produites au sein de l'abbaye, mettez-y un terme. Ok. Quoi, déjà? Ok, je suis d'accord. Nous allons recruter des soldats. Ah, d'accord, c'est la fin dans tous les cas. Ok, bon bah c'est la fin. Ah, c'est bon. Ok. Alors, toujours se perdre dans le donjon, engendrer un héritier, recruter le ménestrel. Bon. Lors de mes recherches, j'ai découvert une nouvelle méthode pour distiller l'alcool. Partageons ce revenu. Vas-y. Marisère, c'est Dorian. Hamilton est un saumon remontant le courant d'un torrent. Dis. Ok, ça. C'est une casse. Un hôpital pour limiter les conséquences des futures épidémies. Ok. Bon soin, l'hôpital va limiter les conséquences des épidémies et des catastrophes. Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur princesse. Risquons la guerre en quart de refus. Oui. Ruine sans le rhododendron. Mais attends, vous devriez éviter de chevaucher quelque temps. Ok. D'accord, ça va. Et si nous faisions quelques passes?
Tu ce quoi voilà, je fais la connaissance d'un ménestrel de grand renom. Remplissons l'atmosphère de mélodies harmonieuses. Vas-y. Ménestrel recruté. Ok. Divine blanche sonore. Ok. Cela permettra peut-être de mettre de la joie dans le cœur du royaume. Ménestrel de grand renom, remplissons l'atmosphère. Ok, d'accord. Ça, il dit ça. C'est votre 20e anniversaire, votre Altesse. Faisons la fête. Vas-y, festoyons. Devrions instaurer un couvre-feu. La nuit, les rues de la capitale ne sont pas sûres. Non. Tandute Yandimar. Dans des machines agricoles d'argent. Ouais. D'accord. Un bûcher vous offre 40 livres. Nous devrions construire une bibliothèque. Oui. Elle est à nouveau à sec. Nous devrions construire un barrage. Non. Une bande de vos maudits soldats a mis à sac une abbaye. Nous voulons que justice soit faite. Non. Nous avons besoin d'argent pour organiser le festival du printemps. Il promet d'être fantastique cette année. Malheureusement, non. Un groupe de fanatiques a mis à sac l'hôpital, prétendant que seul Dieu peut les guérir de par l'imposition de vos mains sur le corps. Ouais, si tu veux. Pour construire des ambassades dans les pays voisins. Cela permettrait d'éviter la guerre, que la guerre s'éternise. Ouais. Oh. Okay. Bon, le roi est mort. Vive le roi. Alors c'est quoi le nouvel objectif? Rencontrer le prophète maladroit. Pipapu. Estuaire de la rivière Goutte est un dangereux marais pour les voyageurs. Il faudrait assainir toute la région. Une explosion dans la mine a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Devons-nous continuer à creuser? L'épidémie de choléra s'est déclarée dans la capitale. C'est la mort bleue. Wow, ça a coûté une fortune ça. Il y a trop de condamnés à mort. Besoin de l'aide de l'armée. Ouais. Les mines sont remplies d'or, monseigneur. Nous sommes riches. On va faire monter un peu de monde. Attaquons le royaume du Sud. Leur pouvoir s'étend un peu plus chaque jour. Oh, vas-y, fais ça. En creusant pour trouver de l'or, nous avons découvert une crypte. Elle est lugubre. Elle sent le soufre et résonne des cris des damnés. J'y vais. Se perdre dans le donjon. Ok, nous y sommes. Cela vous affectera chaque seconde. D'accord. There's a dungeon. Ok, impossible de faire machine arrière. En votre absence, le royaume sombre inéluctablement dans le chaos et l'anarchie. Les murs sont ornés de discrètes runes alchimiques. Passez la porte mercure, passez la porte or. Coffre au trésor. Ouvrir. J'ai découvert une clé. Prendre. Faire demi-tour. Continuer. Sentez un faible courant d'air sur votre gauche. Continuez. Vous êtes sur le point de vomir votre... Votre bouche est sèche. Avez-vous trouvé la sortie du donjon, peut-être? Mais votre pouvoir est en lambeaux alors qu'un nouveau roi monte sur le trône. D'accord, donc je suis mort dans le donjon. Ok, ce jeu est tellement space en fait. Dirigé comme un gagnant. Ouais, ça va être compliqué, j'ai une tendance à vite mourir en fait. Puis... J'ai entendu parler d'une jeune princesse retenue contre son gré au château de Pierre le Noir. Mon cheval. Je chevauche vers Pierre Noir en armure, fier, glorieux et chatoyant. Crachant du feu, êtes-vous le roi? Êtes-vous venu pour la princesse? Oui. Parfait, la voilà. Et personne ne tue personne. Tu es là pour ta fille. La voilà, fin de l'histoire. Non. Oui.
Oui, de retour, Sora, avez-vous apprécié votre petite aventure? Dragon n'était même pas n'était pas donné. Qui paye? Votre enquête est une rencontre scientifique avec quelques confrères de l'Ouest dans votre château. Ouais, plutôt plaisir. Voulez-vous épouser la jeune princesse du royaume voisin? Ouais, c'est ça. Un homme prétend que la récente épidémie de dysenterie est un acte de Dieu pour répandre l'amour dans le monde. Non. Montrez le prophète maladroit. Un homme prétend que la récente épidémie de dysenterie est un acte de Dieu pour répandre l'amour dans le monde. Un homme entre dans la salle du trône en poussant Père Brown sur le côté. Père, prie avec moi. Les anges m'ont envoyé des signes de sa volonté et ce n'est pas folichon la bête. Quel signe? Tout s'écroule et meurt à grand fracas. J'amène le démon pour renforcer la foi en notre père. Thérésique doit brûler sur le champ. A déclaré Brodus de Falsibi hérétique et l'a envoyé au bourreau. Ne m'obéit-on pas? D'accord, tu viens d'être ressuscité, d'accord? Dans ce pays croulant, quoi du démon? Par ma faute, il s'est pris les pieds dans des cordes et a renversé une torche qui a mis le feu au gibet. D'accord. Vas-y, j'aime bien suivre le champ, moi. Ça vous conduit dans une partie oubliée du donjon. Bon. Allez, on est re-rentré dans le donjon. Avec la claque des dents sinistre. Cuir. Ah, bah vas-y, on va le friter un peu. Ah, ça dégage. Elle tombe en morceaux, vous décidez de ne pas rester pour voir s'il est capable de se rassembler. Passez la porte neutre, passez la porte terre. Neutre. Mais j'ai demandé de passer la porte neutre. Et. Porte arsenic. D'accord. Ok, c'était cool. Il faudrait presque retenir comment est conçu ce donjon. C'est fou, quoi. Ok. Alors, diriger comme un gagnant, engendrer un héritier, avoir une liaison. Bah, ça va être... J'y passe, c'est vieux. Ouais, si tu veux. Pièce pour vous, j'ai peut-être une bonne idée. Yes. Un chant épique pour animer vos armées d'un courage féroce. D'autres. Mes intérieurs me reparlent. Puis j'écris librement avec votre bénédiction. Vas-y, fais-toi plaisir. Qui est cet oiseau? On a eu des bruits inquiétants dans le château. La nuit dernière, renforcer la garde. Ouais, vas-y, renforce la garde. Nous avons trouvé de l'or dans les mines. Devons nous continuer à creuser plus profondément. Tu vas déterrer le Balrog? Vas-y, fais-toi plaisir, on va pas aménager une nouvelle place de marché, cela ouvrira notre économie au commerce extérieur. Vas-y. Seigneur, c'est avec un grand enthousiasme et forte trépidation que je vous dévoile aujourd'hui mon grand œuvre. Ok, l'argent est peu de choses face à tant de beauté. Vous décidez de récompenser le ménestrel. Nous avons peut-être un problème. Un moine s'est mis à mordre ses frères et ça se propage vite. Général. C'est un ordre, déjà. Les moines en prison sous la torture, ils finirent par avouer être effectivement des loups-garous. Oui, évidemment. Famille rit de la taille de notre château. Nous devrions en construire un plus grand. L'économie, tu te portes bien? Ok. Tu me fais un prêt de 5%. Non.
sortent d'un couvent, se sont mises à miauler comme des chats pour passer jusqu'au village. Est-ce qu'on problème? Ok. L'incendie est en train de ravager notre château, monseigneur. Ça me coûte de l'argent, sauver le trésor. Marisère, c'est Dorian. Oublions cela, veux-tu? Quel scandale, général. Bloomington a été retrouvé dans le lit de la reine. Qui dois-je exécuter? J'aurais bien dit général, mais tu vas couper la tête à la reine, parce que ça m'arrange en fait. Les vikings attaquent, nous devons nous défendre contre le royaume du nord. Défendre. Grande partie du pays adore de faux dieux. Nous allons brûler des sorcières. Je ne veux pas le savoir. Défends massacre inutile et insensé d'innocents jeunes femmes. Je vous en conjure. Pas au courant. Nous pouvons organiser votre mariage avec la princesse du Nord. Cela arrêtera la guerre. Oui. La population du Nord est superstitieuse et ne respecte pas notre foi. Construisons des églises. Nous voulons construire une école dans la capitale pour éduquer le peuple. Non. Notre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Oui. Nous allons chasser ce sanglier. Oui. Vous avez eu un terrible accident pendant la chasse, vous saignez énormément. Doc. Hey, why? Think at all. Je sens la pourriture se propager dans votre corps. Vous mourrez si je n'interviens pas. Ok. Perdre un bras. D'accord. C'est un objectif en plus, hein. Le peuple refuse l'autorité de l'église, entame une... Ah d'accord, bon. Ok. Je suis devenu manchot juste pour être pendu après, Jean le manchot. Ouais, bon, il y a des folklores comme ça. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai gardé mon dépipé et ma grange, en fait. Et ça, c'est coquet. C'est coquet. J'allais dire c'est coquet. Bon, c'est plus l'heure de tourner pour moi. Hein. C'est plus du tout l'heure. Ok, bah écoutez, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming. J'espère que cette petite série vous plaît. Je vous invite à partager vraiment cet épisode, ce jeu en fait, avec d'autres personnes. Je trouve qu'il a vraiment son ambiance, il a vraiment son univers, et je vous rappelle qu'il ne coûte que 3€. Ça fait plaisir d'avoir des petits jeux comme ça qui savent vous prendre avec rien finalement. Juste avec des mots. Juste avec des mots. Qui sont d'ambiance en fond. Une iconographie simple, mais efficace. Du mystère, c'est génial. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming pour Reigns.